Bonjour, actuellement, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as accédé à la formation Importer ses produits de la Chine et venir les commercialiser ici en Afrique. Ok, et c'est la toute première vidéo sur la formation que nous sommes en train de réaliser ici, comme ça, ou bien que toi tu es en train de regarder ici, comme ça. Et dans cette vidéo là, ici, euh, on va voir comment euh, créer votre compte Alibaba. Et comment paramétrer le compte ok pour vous faciliter la compréhension et la manipulation de la plateforme ok donc euh, la tout première des choses à faire est d'aller sur la plateforme play store ok donc euh, moi je vais aller directement sur play store je vais chercher play store c'est play store qui est ici comme ça je clique sur play store et qu'est ce que je vais faire je vais écrire dans la barre de recherche ici alibaba ok donc euh, ali bah oui et ça se fait voir directement ici alibaba.com ok donc vous allez appuyer sur alibaba.com ok et ça va apparaître ici comme ça alibaba.com marché b2b ok donc qu'est ce que vous allez faire maintenant vous allez installer l'application en appuyant sur quelque part ici comme ça bon moi je l'ai déjà installé chez moi et je vais appuyer sur ouvrir si vous vous l'avez déjà installé vous allez directement appuyer sur ouvrir ici comme ça et directement vous allez arriver sur la plateforme alibaba comme ça se voit chez moi ici comme ça ok donc euh, je suis sur la plateforme Alibaba voici la paille voici un peu euh, la paille d'accueil d'Alibaba ici comme ça vous pouvez voir quelques produits sur la plateforme vous allez arriver sur la paille d'accueil ici comme ça ok donc une fois sur la paille d'accueil nous on va commencer par créer notre compte ok donc on va créer notre compte pour cela on va appuyer sur My Alibaba ici comme ça ok dans l'anglais My Alibaba ici comme ça et vous allez appuyer sur Sing in Sign In ou enregistré ok. Donc, euh, vous allez appuyer sur ça ici, comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer ici? On vous demande de créer votre compte. Donc, moi, je veux, je veux que vous créez votre compte. Bon, je vous conseille de créer votre compte directement avec un euh, Gmail ou soit par Facebook, ok. Donc, euh, euh, moi, dans mon cas ici, je vais essayer d'aller avec Gmail, ok. Donc, euh, ici, voici mes comptes Gmail que on me fait euh, voir ici, comme ça. Donc, euh, arrivé ici. Peut-être que vous aussi, on va vous proposer vos Gmails que vous avez sur votre compte. Vous allez directement appuyer sur un de vos Gmails ici, comme ça. Comme pour moi ici, moi je vais appuyer sur ce Gmail-là, ici, comme ça. Ok, c'est bon. Ok, bon, moi je me suis directement connecté à mon compte Gmail ici, comme ça, comme vous pouvez le voir. Ok, donc vous vous allez essayer d'aller avec votre Gmail aussi, ok, essayer de choisir un Gmail pour créer votre compte, ok, donc moi j'ai déjà créé un compte, c'est pourquoi vous pouvez voir ici, j'ai eu des messages euh, des, des fournisseurs sur la plateforme, ok, donc qu'est-ce que vous allez faire, je vais directement venir sur la page d'accueil, ici comme ça, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon compte, ok, c'est mon historique ici, on me, propose, on me propose quelques articles ici comme ça. Si vous, si vous venez, c'est comme ça que ça va être, OK Donc, une fois votre compte bien créé, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez essayer de changer la langue. Comme vous pouvez le voir ici, tout est en anglais, OK Mais euh, je vous conseille que, euh, que tout soit en français, OK Pour vous faciliter la compréhension, OK Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour changer la langue, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez directement appuyer sur « My Alibaba » ici comme ça. Vous allez directement appuyer sur « Paramètres » ici comme ça, OK et vous allez directement aller dans langue. OK, dans langue ici comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez appuyer sur langue ici et vous allez choisir français ici comme ça, OK OK. Et comme vous le voyez ici, tout est maintenant en français. Tout est maintenant en français ici, OK Donc comme vous le voir, l'écriture est maintenant en français maintenant nous allons essayer de changer le prix des articles ici comme vous peut le voir le prix des articles c'est en dollar ok bon, bon, nous nous voulons que le prix des articles soit en francs CFA qu'est-ce que nous allons faire nous allons appuyer sur my Alibaba ici comme ça toujours sur my Alibaba mon, mon Alibaba ici comme ça et nous allons maintenant appuyer sur paramètres toujours ok ok qu'est-ce que nous allons faire nous allons arriver sur devises ok nous allons arriver sur devises et nous allons appuyer sur devises nous allons appuyer sur, sur SAF Ok, SAF, je dis bien SAF, ok, donc, pour appuyer sur SAF, je vais aller dans l'onglet X, ici, comme ça, ok, il y a ZORF ici, ben, je vous conseille d'appuyer sur SAF, ok, et, ok, c'est le franc CFA, ok, donc, ok, donc, si je reviens sur euh, la page d'accueil, ici, comme ça, et vous allez voir que, Maintenant, tout est en français FA. Okay? Tous les produits, tous les articles sur la plateforme sont en français FA et l'écriture est maintenant en français. ok Donc, c'est très bien. Vous pouvez maintenant comprendre comment les choses marchent et tout. Maintenant, je vous conseille de, aussi de changer votre localité. Peut-être que si vous êtes connecté, vous allez avoir certaines localités qui n'est pas la vôtre. Okay? Donc, euh, je vais appuyer sur mon Alibaba, toujours ici comme ça. Et je vais aller sur quoi Ok. Je vais aller dans paramètres ici comme ça. Et une fois ici, vous allez changer expédition. Vous allez changer votre pays. Bon, moi je suis au Togolais. Je vais choisir mon pays, le Togo. Le Togo. Oui c'est ça, c'est le Togo qui se fait voir ici. Le Togo. OK. Donc euh, actuellement, tout est bon. Tout est bien paramétré. Je vais retourner en arrière ici comme ça. Et accueil. Et tout est bien maintenant. Vous allez voir que l'écriture est hein, en français. Le prix des articles est en français et mon mon, mon, mon mon pays se fait bien voir ici aussi. Donc euh, tout est bien bon, tout est bien ici comme ça. Donc euh, on va passer directement à la deuxième vidéo.